J'y pense beaucoup parce que je suis très effrayée par le duel Macron-Le Pen. Est-ce que vous pourriez... Très effrayée parce que je me dis, si toutes les oppositions à Emmanuel Macron se coalisent un jour, bah peut-être qu'en 2022, on aura le Front National. Et si on a le Front National, on aura une femme qui dit que le SMIC horaire est à 36 euros, vous voyez. On aura une femme qui veut cliver le pays. Donc, je pense qu'on ira à la faillite et on ira peut-être aussi à la guerre civile. L'envie d'y aller. Non, l'envie de reconstruire une droite crédible, une droite de projet, Vous, pour empêcher ce duel annoncé. Non, on ne construit pas sur des ruines. Mais exactement, et je pense qu'on ne reconstruit pas une maison non plus sur des égaux. Vous, pour empêcher ce duel. Ah, je sais que les Français adorent l'homme providentiel, la femme providentielle. C'est comme ça, la présidentielle, c'est la cinquième, alors. Commençons par reconstruire des piliers. Moi, je pense qu'il faut un pilier de droite moderne, plus écolo, plus féministe, plus décentralisateur, parce que plus laïque. Écolo et féministe, laïque, c'est moderne, alors. Plus laïque. D'accord, ça veut dire... Merci. Écolo et féministe, c'est moderne. Bah oui, quand même un peu. Regardez-vous.